Les chaussettes de l'archiduchesse. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je suis autrice, metteuse en scène et comédienne, la totale. J'ai écrit un premier spectacle qui s'appelle Place et qui parle des mécanismes d'assimilation. Qu'est-ce que c'est de grandir en France quand on est étranger? Et puis actuellement, je suis en train de travailler sur un autre spectacle qui s'appelle Brûlé, qui parle des stigmatisations sur les banlieues. Moi, je suis née à Bagdad et j'ai passé mes premières années de vie en Irak. Et j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs rêves, des rêves différents selon l'enfance que j'ai rencontrée et le pays que j'ai rencontré. À Bagdad, je voulais savoir voler. Et quand je suis arrivée en France, je voulais rentrer à Bagdad. Ça, c'était un de mes rêves. Mon deuxième rêve, c'était de faire du théâtre. J'étais allée voir un atelier de théâtre d'une de mes copines à l'école. Moi, je parlais pas très bien français à l'époque. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait un métier qui existait. On était payé pour jouer comme quand on était à l'école. Et du coup, j'ai eu envie de faire ça. Quand j'ai gagné le prix du Festival Impatience en 2018, et en fait à la remise des prix, on remet d'abord le prix des lycéens puis le prix du jury, bah, j'ai eu la chance d'avoir les deux prix et qu'à un moment donné, on me dise « Toi, ok, on te prend dans le game ». Ça m'a assise quoi. Ça m'a confortée dans le fait que je racontais la bonne histoire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches?